Bonjour à toutes et toutes, à toutes et oui, toutes et tous. Oula, je vais y arriver. J'espère que vous allez bien. Je suis en train de batailler avec l'audio. C'est-à-dire les écouteurs. Oh, on va se faire trois petites heures de The Elder Scrolls. Je vais tenir jusqu'à 13h parce que je peux me le permettre. Et puis ça me permettra de faire un relais de chaîne à FunFan. J'ai regardé son agenda et puis... Bonjour Nayonet. Mais il a pas retenu mon titre, cet abruti d'OBS. Ah oui, il l'a invalidé au moment où j'ai lancé. C'est n'importe quoi. C'est pas Stardew Valley. Oh là 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 là. Oh là là, non, ça devrait être bon. Alors attendez, je vais relancer le temps que le jeu se remette en place. J'arrive tout de suite, bougez pas. Aïe 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 aïe. Bonne journée, Yannet. Oula. Alors, excusez-moi du faux départ. Et il faut vraiment que je pense à Tezo, comme c'est un jeu lourd à 100 gigas. Il faut que je lance ma partie avant de lancer mon direct. C'est une telle usine à gaz que ça met 3 ans à démarrer. Voilà, là au moins j'ai le bon titre, la bonne date. Avec les bonnes catégories. Mon Dieu, encore un faux départ. Bon, par ça, j'espère que tu vas bien, Nayonet.
Alors je sais que le jeu il est superbe, il y a beaucoup d'éléments, c'est énormissime. C'est l'équivalent. Alors ne vous fâchez pas les fans du jeu, j'ai envie de dire c'est un équivalent de Final Fantasy. C'est-à-dire qu'on part dans la rêverie, il y a plein de trucs imaginés, modélisés, c'est. Waouh, ça en met plein les yeux. Mais alors, le coût du chargement. Parchemin d'expérience, ce machin. Oh là 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 là. Bon, bah, j'accepte la récompense. Ibi. Ouah! J'étais où? Déjà, j'étais vieux, l'énigme. Ah, il y a des boutiques, ça peut être intéressant. Ça me rend fou dans ce jeu de voir tout le monde cavaler comme des tarés. Oh là là. Oh la vache. Direct dans le dur, pan! Dès le matin. Youch. Non, la liste des cimes, je connais tout. Bébé. Ouais, mais j'ai plus assez d'ingrédients. Je crois que la dernière fois, j'avais fini là-dessus. Oh la vache, le familier, toi. Waouh. De joaillerie. Ah non, non, je peux pas aller. Enchantement, je sais encore rien faire. Oui, puis j'en ai un de chaque, visiblement. Non, 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 j'avais fait ce qu'il fallait. Ah, toujours la bonne question, trouver un marchand. Hein. Commande de consommables artisanaux. Remarquez une annonce affichée en évidence sur le panneau. Artisan certifié ou marchand qui vous intéresse. Potions, livres, denrées alimentaires, boissons. Aiguisez vos talents et vous serez récompensé. Commande, machin, cherchons, érudit. Oh là 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 là, il y a trop de trucs. Ah, c'est le banquier. Monsieur Thune. La paix de l'esprit, voilà qui n'a pas de prix. Nos Bonjour, coffres vous l'apportent, entre autres services. Je suis sûr que vous serez de mon avis. J'espère que tout va bien aussi, Nashevman. Bon, j'ai une petite voix, moi, parce que je suis encore en décantage, retour de cuite du jour de Noël. Et puis voilà, je babacoule. Ça va bien, c'est cool. Ah là 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 là. Banque. Ah mon dieu! Entraînement. Ah oui, d'accord, la recherche est possible. Pouah, je savais même plus que j'avais tout ça. Waouh! Bébé. Hic. La rose, préparer des boissons, la salade verte. Oh là là. Quoi? Teinture de mutilation. Maria, c'est quoi ce truc? Wow, mais il y a trop de trucs. Ah, j'en suis équipé. Non, mais arrêtez, il y a trop de trucs. Acheter de l'espace en banque. Ah, ah, ah.
Ah, ce serait pas pour me déplaire. 10 de plus. Oh la vache. Heureusement qu'on a de la thunasse. Allez, zou. Je descends juste un petit peu en dessous des 100 000. Ça me fait 120 places dans la banque. Ouais, c'est cool. Retrait en devise. Attends, faut que je teste, hein, faut que j'apprenne. En banque, j'ai 0. Je suis pauvre. Alors, retrait, séparer pilier, en discussion, mettre au rebut, demander aide. Oh là 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 là. Il y en a des choses. Melon. Bah, on verra. Attends, je vais... Oh, c'est beau. Oh, c'est mignon. Je vais déjà consommer ça. Ouais. Bah oui, pour mon heure, enfin mes 3 heures de jeu. Hop, allez. Et un truc qui donne du bonus. On a vu différentes choses. Ah! Passez pas à travers moi, vous faites peur. Bah merde, j'ai vu des trucs à... Bah voilà, un thé à la menthe, par exemple. Salutations, nous avons le plaisir d'accueillir Ad Dragonsky. Bonjour Dragon Sky, j'espère que tu vas bien, merci à toi d'être là. C'est mon petit jeu du matin, je diffuserai que le matin, hein. Je m'arrêterai à 13h. Parce que après je vais profiter de la famille pour prendre des nouvelles un peu partout dans la famille. Et puis j'ai des tâches ménagères. Donc je fais juste le matin aujourd'hui. Par contre demain je ferai toute la journée. Ah, tranquille, la vache, il y en a qui se la pètent avec leur destrier, leur compagnon de route. Il y a tellement de choses à voir. Ah, roulette de fou. Oula. Oula. Il y en a qui ont des aspects. Ah, c'est une marchande. Elle vend quoi, là, madame? On m'avait dit que je pourrais gagner une fortune ici à présent que l'esclavage est aboli. Mais je ne m'attendais pas à voir autant d'elfes noirs. Ah oui, pardon, excuse-moi, j'ai pas lu le chat Dragon Sky. Ah, t'es d'abstreinte. Oh merde. Ah, t'es en pause. Ok, merci Dragon Sky. Oh là là. Eh ben, bon courage avec ça. Alors, j'ai beaucoup de crochets, je crois. Ouais, j'en ai 91, c'est ça. Nécessaire de réparation courant. Ah. Répare les objets de n'importe quel niveau. Ça peut être pas mal, ça. Eh bien, j'en prends un. Ah, tout réparé. R. Ah bah oui. Oh, encore que... Non, je... Ouais, si elle propose elle, le service, c'est peut-être mieux. C'est peut-être mieux. Ah bah, c'est une bonne chose. Encore un banquier? Oh la vache. Ah, oh, un tailleur. On dit parfois que l'habit ne fait pas le chanoine. Mais en ce qui me concerne, je préfère quand c'est le chanoine qui fait ses habits. On le remarque tout de suite. Humour, bravo. J'aime bien, j'aime bien. Oh. Oh la vache, il y a de ces trucs.
Oh là 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 là. Et B. Il est rigolo lui. Waouh, il y a trop de monde, il y a des garçons sauvages partout. Wow. Atelier de travail du bois. Alors, pour commencer le processus de fabrication, travailleur du bois devra affiner les matériaux bruts. Collecter 10 matériaux bruts, tels que l'érable brut, quelqu'un qui a signé. Ok. D'accord, j'en ai pas, mais c'est intéressant. D'accord. Oh la vache! Alors, encore un banquier, lui fait quoi? C'est pas. Ah oui, c'est des. Un chasseur de primes, le gars. Oh mon dieu! Tellement de choses! Bon, on va peut-être partir un petit peu à l'aventure. Enfin, je sais pas, j'ai. Mais non, c'est le tailleur, j'ai. J'ai vu tout le monde, je crois, parmi les. Oh, c'est enivrant. Marchand de guilde. On va toujours regarder. Venez, venez faire affaire ici. Not much order. Ah. Oui, d'accord, oui, j'appartiens pas à la guide, donc je l'ai dans le cul, Lulu. Ok! Dark Shadow Trading. Oh là là, toutes les guildes sont dehors, ok. Marchand de guide, mais on sait pas laquelle. Ah si, Valinor Traders. Alors lui, c'est Shining Queen. The Keksha Overflow. Attends, j'en essaie. C'est difficile de ne pas penser à Bardo, mais faites les boutiques, ça vous changera les idées, ou ça vous détendra. Je sais qu'une bourse un peu plus légère fait que j'ai le cœur plus léger. Regardez donc. Et pour protéger les animaux, on a Brigitte, Brigitte Bardo. Ah mon dieu, oui, non, c'est ça, c'est un truc auquel j'adhère pas, donc j'ai accès à Cupwick. Rolling Corinth. Bon, je vous confesse qu'il y a pas mal de notions de jeu qui me dépassent, hein. Mais chez Bao. Ah, ça va, c'est tranquillou, je finis des fois avant midi, grand max 13-14. Ah, ok. Bon, bah c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ouch. Oh! Vous du Diou et châssis des marais. Ah, j'ai le droit de me téléporter là où je veux. Donjon public. Oui. Soyons fous. Voyageons. Allez. Je. Voilà, comme je connais mal. À cette époque. Oh! Alors là, j'étais vraiment surpris de la rapidité de chargement. Je me suis laissé surprendre. Ah! Bon, on va y avoir de l'action, mais au moins, il y a un peu moins de monde. Mon cerveau est moins en panique. Je ramasse des bleuets. Je sais pas où. Oh! Bon, l'aventure, c'est l'aventure. Hein. Tant pis si je me fais casser la figure. D'ailleurs, je sais même plus comment on fait. Attendez, je sais même plus comment on porte des coups ou je sais pas quoi. Ah oui, déjà, je vais sortir le bâton. Quoi? Il y a quelque chose en dessous. Coucou. Oh. Bonjour, Tunsen.
Oui, merci Nashevman pour la bonne visite. Ah merde, c'est vrai que c'est chronométré. Ah oui, c'est dur ce truc. Ah, dommage. Mais c'est vrai que j'avais oublié que c'était chronométré. Dommage, dommage. Oh la vache, c'est du champignon géant, ça. C'est du champi-arbre. C'est vrai que la mort peut nous surprendre à chaque détour de chemin. Ah oui! Je peux piocher la veine. Acre, poudre d'étain, poussière virilienne. Oh! J'avais encore jamais fait ça. Oh la vache! Ah ouais, il y en a des Nyx. Oula! Oula! Remarque, il y a un truc qui annonce l'ombre portée du champi. C'est gauze. Ah oui, non, ça je peux me les faire. Alors, eux, qu'ils aillent mourir. Aïe, oui, ça pique quand même. Vous dites où? Pas de rue. Ah oui, c'est vrai qu'on peut pêcher. Avec j'essaye un de ces jours. Cette rêverie. Ah bah merde, je croyais qu'il y avait une porte, mais en fait elle est condamnée. Le machin, c'est un temple nordique, mais il est... Il y a eu un ébouli là. Oulala, lui il va me poser problème. Sauf s'il me voit pas. La feinte. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Oula, c'est quoi ça? Coureur des falaises. C'est bien un chemin, on se demande où il mène. Oh là là. Vache. Oh, le champignon de fou. Ah oui, derrière, un chien de Nyx, oui. Oh bah, il est chiant le chien de Nyx, hein. Ah oui. Ah, il y a un truc à récolter. Cardamine des prés. Oui. Colchicolore pré, fleurisse, fleurisse. Colchicolore pré. C'est la fin de l'été. Ouais, forcément, l'espèce d'arche. Ah, c'est un truc de Zvemer. Ça va, il m'ignore. Voilà. J'ai bien chargé le coup, malheureux. Oh.
Est-ce que j'ai le droit de m'aventurer là-dedans ou est-ce que c'est la mort absolue? Ah, déjà, il y a des choses. Là, lanière pour brut. Oh, on va pouvoir faire du vin. Nuchlef. D'accord, une autre. Je sais pas, je demande de découvrir. Alors, pour les nains disparus de longue date, Nuchlef, à ne pas confondre avec Nuchlefting, semble avoir été une sorte d'usine de machines lourdes. Malgré les millénaires écoulés. Oula, machine lourde, si je tombe sur un golem de fer, je suis mort. Oh, c'est ça que j'adorerais avoir en compagnon. Ah, oh, j'adore le style Zwemer. Non, t'inquiète, ils sont faibles. Ah bon? Waouh, il y a du monde là-bas. Ah! Ah oui, c'est un ennemi. Oh putain! Le moindre truc, tu peux interagir avec. Wow. Oh, c'est beau, ça fait cathédrale le machin. Attends. Waouh, c'est superbe. Quoi? Tous des ennemis, eux? Incroyable. Putain, qu'est-ce que c'est beau. Oh, j'adore. C'est magnifique. Ah! J'ai peur, eux. Aïe! Il m'a envoyé un sort, le salopard. Oula, qui c'est que ce totem? Aura de protection de rien du tout, oui. La malheureuse. Eh bien. Attends, j'attends de me rétablir un petit peu là quand même, parce qu'ils m'ont bien allumé les saligots. Les bouseux. Qu'est-ce que c'est ce truc? Watch. Aïe, 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 aïe. Ibi. Ah, c'est une porte d'accès. Wow, les ruines. Alors attends, je ferai après. Je vais faire proprement le niveau d'abord. Et sur quoi il... Je sais pas, c'était sur la tuyauterie. Je sais pas pourquoi. T'as mis là. Il apparaît un rouge et on... Oh la vache, il fait mal le salopard. Wouah. Wouah. Recevoir. Alors. Oui, merci pour le GG. Ah d'accord, c'est faisable avec mon niveau, d'accord. Ouais, je sais pas, bizarre.
Tac, 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 tac. Ouais, après j'augmenterai dans la santé parce que. Ah oui, alors attends. Ah oui, la prochaine étape. Ah, arme au choix. Oh là là. Oui, allez, magie. Alors, compagnon animaux. Équilibre vert. Oui, ben je l'ai, ça. Je l'ai, je l'ai. Étreinte hivernale. Ah, écharpe perforante. Ouais, j'ai 6 points de compétence. Ouais, c'est pas mal. Les dégâts de glace, j'aime bien. Oh là là. Ouch. Oui, il y a ton attaque qui dit bonjour dans le Discord. Arme de main, machin. Oh là 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 là. Réduit l'efficacité des ralentissements qui sont impliqués de 1%. Augmente la récupération de machine de 2% par zone. Ouais, ouf. Quoi? Escroquerie. Oh la vache. Magie des âmes. Ouais, important ça. Mais il faudrait que j'apprenne à capturer les âmes. Vachement important dans The Elder Scrolls. Guilde des mages. Culturelle. Compétence du breton. Oh, de 40. Ah oui, ça vaut le coup ça. Ah bah oui, attends, merde. Je suis vachement plus costaud. D'accord, le rang de 20. Vachement intéressant. Alchimie, couture, cuisine, les enchantements, les... Oh là 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 là. C'est beau. Compétences conseillées, ouais. Kiki. Kiki-cook. Eh bien... Ah, encore un vilain. J'ai du délire. Il m'a paralysé, le brigand. Ouais, ça jette un froid. Hein. J'adore cette mort. J'ai l'impression d'être Sub-Zero dans Mortal Kombat. Je m'en lasse pas. Je suis trop content. Encore merci, Nash, de m'avoir guidé là, pour avoir l'effet glace. J'adore. J'adore, j'adore. Merde! Les profondeurs, il y a les ruines, il y a... Ouah! Et il y a toute une branche de cet étage que j'ai pas fait. Ouais, c'est la folie. C'est la folie. La 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 la. Ouais. Il est mouru. Ouais, 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 merci. Bah, je suis surtout bouche bée, tu sais. Je sais pas si j'aurai des questions, bon, ça viendra naturellement, mais je suis bouche bée par la beauté du jeu, quoi. C'est vraiment une rêverie à la Final Fantasy qui nous est offert. J'aime beaucoup. Merde, il y en a du monde. Oh, l'agression dans le dos. Non, l'autre, elle tire ses flèches à travers les murs. Mais non, mais arrêtez.
Aïe 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 aïe. Bouge B, ouais, tant que c'est pas bouge en cul de poule, ça va. Ah là là, mon popo. Oh! Oh, de l'eau naturelle. Je chipe leur vivre. J'en ferai des potions. Oh la vache. Les rouages de Zwemer. Voudoudou. Oh, trop bien. C'est un vrai vrai mur ou c'est une épreuve d'escalade? Bizarre. Attends, là y a rien? Non, y a rien. Attends, qu'est-ce qu'il fait mon perso? Ouais, non. C'est pas grave. De toute façon, il y a tellement de... Il y a les ruines, il y a les profondeurs à faire. Bonjour Torota. Bon, ça va, merci. Oh merde. Elle est pas venue qui était déjà de retour. Mais... profondeur, je ferai les ruines après. Waouh! Comme de poisson. C'est rigolo. Salutations, nous avons le plaisir d'accueillir au revoir. Aïe aïe aïe. Quoi? L'autre il me dit dans les profondeurs les plus basses d'une ruine Zwemer souterraine en dessous. Ouais, bizarre. Wow. Wow, wow, wow. Oh, du miel. Oh, la vache. Wow, qui c'est que ce truc? Ah ouais. Ça en jette. Ça va, ils ont le chauffage central. Merde! Mais non, mais faut que j'arrête avec les roulés-boulés, moi. Je vais me propulser dans... Oula. C'est quoi ça? L'alcool. Ah ouais. Eh bien. Tiens, mais nous ça. On va aller voir l'alcool du coup. Bah c'est là où je me posais la question. D'accord. C'est pour revenir rapidement. D'accord. Bon bah c'est bien, j'ai réponse à ma question. Ah.
Il n'y a pas des trucs de cachés aux angles. Allez! Bon! Envie de patater à une arquebuse. La. C'est ça que je voudrais comme compagnon. Et encore, c'est pas la tête que j'ai connue dans Morrowind, mais ça y ressemble. Oh, il y a le chemin. Ah oui, c'est la sphère de Zemmer. Pas l'arquebuse. Oui, c'est gentillet. Franchement, c'est vrai que les ennemis là sont vraiment gentillets. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Quick. Oh merde. Alors là, Centurion, ça rigole moins. Oh là là. Mais qui c'est que ce truc? Il y a des choses en bas, mais alors pour les rejoindre, vas-y toi. Oh, il y a des portes, il y a des... Ouais, là, je suis dans des ruines Zemmer, écoute. Le problème, c'est que pour remonter, c'est peut-être pas la bonne idée. J'étais parti pour descendre, moi. Descendre dans les limbes. Ah, il y a un étage inférieur. Oh, merde. Ah, c'est bien, il aime pas du tout mon attaque. Il reste inerte, cet idiot. Il est bluffé par mes jets de glace. J'ai l'impression de lui faire danser la Macarena. Là. Aïe 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 aïe. Kick. Boum. Voilà, il est tombé comme une pierre. Oh, il y a du peuple. Il y a du people. Ah non, j'ai réveillé les deux. Oula, c'est dangereux ça. Vite, je tourne autour, je tourne autour, je tourne autour. Ouille. Ah, attention. Je commence à recharger l'enchantement. Merde, mon bateau s'épuise de sa magie. Ouf, comment qu'il est explosé en vapeur. Une de vos armes enchantées doit être chargée. Vous pouvez charger ses propriétés magiques. Quoi? Kama. Cet objet est neuf. Ah hmm. Merde, comment je fais pour recharger mon arme? J'espère que j'ai des... Ouais, j'ai des pierres d'armes chargées. Donc déjà, j'ai ce qu'il faut, mais... Ah oui, tu dois cliquer sur ton arme pour la recharger avec une pierre. Ah, F, recharger. Ok. Oui, bah une petite pierre d'âme. Voilà. Merci de m'avoir guidé, les copains. Ah, tu peux avoir le rechargement automatique. Ouais, ouf. Je vais rester en manuel. Oh la vache. Cette ambiance de fou. Eh lui il est mollo. Enfin, on va dire qu'on l'a meilleur service, hein. C'est un engin mécanique.
Ou toi, tu vas me donner... Oh! Il est généreux, cet automate. Où du du où? Waouh! Comment ça en jette chez les Zemer? Ah merde, j'ai bien centurion sur ma... Oula. Attends. Oh merde, aïe, 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 aïe. Faut surtout pas que je me bloque dans le décor. Ouh vache, qu'est-ce qu'il fait? Mais... Oh, j'ai fait un saut là où il fallait pas. Non. C'est quoi cet endroit? Oh oh. Oh merde, il m'a suivi ce con. Ah, c'est chaud ici, arrête. Au secours. Ah. Oh la vache, il fait une attaque toupie l'autre. Il est fou. Ah, c'est quoi cette automate de la boule? Il m'a jeté à froid lui aussi. Tiens, il y a un truc en or derrière. Un truc avec lequel je ferais bien d'interagir. Ah oui, il est chiant. Voilà. Bien, c'est cause. Ah, c'est un dommage collatéral. Alors lui, il a dû se faire piétiner. Attends, je descends par là. Qu'est-ce qu'il gardait, le centurion? Ah, il gardait la partie basse. Oh. Oh. Ah oui. La vache. C'est bien fait l'effet lave. J'ai des choses à récupérer là, c'est pas sûr. Il y a un parcours de saut à faire là. Faut suivre la tuyauterie là, non? Aïe! Aïe, 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 c'est le tuyau sur lequel je vais sauter, pas dans la lave! Ah oui, il y a un truc à récompense là, ça brille à la verticale. Mmh. Oh là 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 là. Aïe. Ah oui, non, c'est déjà trop chaud. Oh non, c'est un cristal d'expérience, ça, c'est important. Oh ya, grande méditation. C'est rigolo. Trop bien. Oh. Oh, ça débouche sur la grande salle. Là, il y a un corridor. Ah, tellement de choses. Ah, non, je reviens là où j'étais, je crois. C'est quoi ça? Si. Oh. Un trigant. Ouais, ça aurait pu être une sacrée planque. Là, je pense que je tourne en rond, non? Ouais, ouais, ouais. Non, je suis revenu sur mon point de départ. Je suis revenu à mon point de départ. Il y a rien là? Non, pardon, il y a rien. Et en fait, il y a là.
Oula. Bon, moi je ne suis pas seul. Profitons. Oh, ces grilles, ça me rappelle des souvenirs. Bonjour Aerostar. Ah mais je suis déjà passé par là, imbécile que je suis. Allez, un peu de baston. Un peu de baston, c'est pour moi. Un peu de baston. Aïe. C'est bobo. C'est un mini boss. Oh yeah. Ah, c'est bien. J'ai réussi à relever le défi à moi tout seul. C'est bon signe. Coffres qui disent pas leur nom. C'est étrange. C'est étrange. Oui, non, il y a l'éclat. Ah. Oh merde, ils sont déjà de retour. Bon, bah je vais tout doucement remonter. C'est bizarre. Comment on fait pour aller par là-bas? Il y a un parcours qui a des trucs planqués au niveau de la lave. Bah mince. Aïe. Voilà, comme ça. Et là, il y a une porte. Ah, bah les ruines. C'est bien, c'est la jonction du truc que je voulais faire. C'est très très bien. À mon avis, je vais remonter à la surface comme ça. Avec son totem, hein. Ouch. Ouh là là. Vite en alerte. Hein. Ah merde! Le décor m'a eu. Si je m'en casse. Spam. Quick. C'est beau. Admirons un peu. Ibi.
sauvages de l'exil des cendres. Voilà, ça fait un appât de pêche. Un de plus. Ouais, c'est bien, je remonte. Je remonte. Ah, mais c'est bien fichu. Que du bonheur. J'allais dire là. Quick. Ouais, évidemment, j'ai attiré le contre-maître là qui était à côté. Ah merde, il a fait un totem. Ouais. Ah. Dommage collatéral. Ouf. Ah, pas lacustre. Oh là là. Quoi? Spéologue obscur. Ah, c'est un joueur. Là, je comprenais plus là. Mais attends, ils se parlent entre eux ou ils parlent à un. Parler entre eux. Bâton de rétablissement du rush courant 13. Eh bah tant mieux. Tant mieux. Eh bah c'était sympa. J'aurais apprécié la découverte. Ouais, merci Nash. Ah, sympa. Alors qu'il y a un vilain qui garde l'entrée. Aïe. Ah, non, bien eu. Ça ralentit. Sauter sur le truc. Mais t'as pas le droit. Y a des trucs de caché ou Ah. De l'intérêt de farfouiller à droite à gauche. Cool. Waouh, sympa le butin. Trois pierres magiques. La. Non, il... Ah, j'arrive plus à sauter. Oh. Il tunnel. Oh. Alors que t'étais à genoux. Parle d'une jarre, mais ah oui, faut peut-être que je sois dans le. Ah oui, encore la petite à côté. Oh la vache, les arbalètes de mer. Oh les engins de mort.
Une veine d'étain, ma deuxième du jour. Toujours bon à prendre. Par où ça mène ce chemin? Oh! C'est qui lui? Vous vous croyez où? Ouais, non, je peux pas interagir. Ne voyez-vous pas que je suis furieux? Oui, t'es furieux. Bon, bah, il a fait son petit chez lui. Quoi? Ah! Oh mon dieu! Un pied géant, j'ai failli mettre le pied dedans. Érable. Ah oui, pour la sculpture sur bois. Pourquoi pas? Ah, parce que je peux y aller plusieurs fois? Non. Ah oui, il me refaisait la proposition, là, je comprenais plus. Bon, qu'est-ce que c'est? Outre d'eau. Ah, d'accord. Réserve de flotte. Oh, du ginseng dans la quisse brûlée. Bon, là, descendre. Ouais, il y a un chien de mix. Quick. Ah, de la joute brute et du libre. Déposé. Oh, là aussi. Eh bien. Oh. C'est bien, je vais pouvoir faire de l'artisanat en trouvant ces matériaux bruts. Un beau papillon à côté en plus. Allez, zo, on prend le papillon aussi. Ah, ouais, il y a un perso là-bas. Oh oui! Qu'est-ce qu'il y a, ce cendrier? Pas content? Vache, c'est de la lave qui a refroidi. Ah, c'est bien modélisé la coulée de lave. Wow. Hop là. Si je me promène par là-bas. Là, il y a un truc, il y a un chemin. Oh, c'est quoi ça? Attends. Ah! Et un petit souci de texture, ouais, enfin d'objet posé. On voyait des fleurs balayées au vent dans la roche. Bon, là j'abuse un peu, là je force à sortir des limites du jeu. Oh, encore du bois coupé. Hop là. Mes oreilles qui me causent soucis aujourd'hui, pardon.
Ah, je suis pas chez... On est pas assez proche pour le choper. Ah, il y a quoi? Ah, il va y avoir une mine. Oui, je venais de là, non? Ouais, je pense. Non bah attends, avant je voulais pas taper parce que... Mais savoir dans les parages alors que je veux faire de la récolte, ça me plaît pas. Vache. Ah oui, la fameuse jolie de scribe. Voilà, c'est ça que je voulais que je voyais. C'était la belladone qui était en train de briller. Je comprenais plus. Ah. Je retrouve une route. Putain, les machins. Wow, il y a de ces bestioles. Ah, au fait, je me suis fait plaisir et j'ai acheté le même petit micro que toi. Ah, c'est bien, Nash. Ouais, le Samsung Meteor. C'est bien, c'est bien, c'est cool. Ouais, bah encore merci à Zex de Citron qui, à l'époque, m'avait guidé en matos. Pour que je puisse poser ma voix. Oui. Ouais. Ouais, il est vachement bien. T'es goûteux. Ah, encore de l'érable. Pas que je sache, non. J'ai pas... Enfin, je suis pas spécialiste au niveau de l'audio, mais... Ça serait plutôt en Bluetooth qu'en Wi-Fi, mais c'est l'équivalent pour les périphériques. Un micro en Bluetooth, waouh. Ça risque de bouffer de l'énergie. Oh. Ça m'appelle des souvenirs. La 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 la. Oula. Je ferais bien le tour de l'édifice, moi. Aou! Oh la vache! Comment il m'a eu de magnifiquement en plaquage? Oh lolo 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 lo. Sacré bestiaux. Quoi? Oh! Encore, j'ai dit oui. Marchand. Oh, la place est occupée. Oh, c'est dommage qu'on n'y ait pas accès. C'est dommage. Parce qu'à l'intérieur, c'est des bâtiments vachement sympas à visiter. Voilà, on peut parler à eux. Waouh.
Ah oui, non, c'est leur propriété, je conçois. Alors, bonjour, dame marchande. Cette époque trouble amène des rencontres étranges. Je ne saurais être trop prudente, vous comprenez? Il faut que je pense à mes habitués. J'imagine que vous ferez l'affaire. Que puis-je faire pour vous? Bonjour, ange de lumière. C'est par rapport à mon ordi portable, mais comme c'est pas très commode, du coup je reste sur le casque micro. Mais c'est chiant, ça me compresse la tête. Bah non, prends-toi un microphone en USB. Comme voilà, comme j'ai le sensor Meteor, Samsung Meteor, que voilà, même Nash l'a pris. Bon, il faut se délester d'un beau billet de 100€ pour l'avoir, mais crois-moi que c'est de la qualité. Hein. Et puis il est beau, il présente bien. Mais au moins t'investis pour 10 ans dans tes directs avec un micro comme ça, voire plus. Non, c'est bien. Ah, pierre d'âme vide. Ah, tout réparé. Je veux bien. Merci. Oui, je peux en acheter combien? Ah, j'en ai 30 sur moi. Oui, je vais peut-être apprendre un jour à faire des captures d'âme. Nécessaire réparation, machin, les crochets, les appâts simples. Ibi. Merci, madame la malchande. Qu'est-ce qu'il a à dire? Rien de tel que de faire des découvertes pour emballer le cœur. L'inconnu me séduit bien plus que tous les festins qu'on peut imaginer. Mais qu'est-ce qui vous amène ici? Nous cherchons quelque chose. La salle du propylone. Elle doit se trouver quelque part sous ces débris. La salle du propylone? De quoi s'agit-il? Eh bien... Et c'est une chambre pour un propylone, et c'est très clair. Écoutez, je n'aime guère donner des leçons alors que l'on pourrait faire des découvertes. Sachez que c'est compliqué et que je n'ai pas le temps de vous expliquer. Je dois trouver cette chambre au plus tôt. Chambre à propylone. Ah! Oula! Bah, je le dirai, je sais pas quand. Oui, on est d'accord, hein, il considère que je l'ai... Ouais. Ah, c'est dommage qu'on puisse pas rentrer dedans. Dans Morrowind premier du nom, on peut rentrer dedans et c'est l'aventure. C'est l'aventure. Bon bah je continue de me laisser flâner. Oh vache. Et il y a des troupeaux au complet de bestiaux. Oula. Bon là c'est le chemin officiel mais... Tac. Y'a rien dans la souche d'arbre géant? Ah non, y'a rien. Oula. Ouf. Y'a une horde de... Oh là là. Oula. Ouais, il veut en découdre, c'est sûr. Mince, j'ai pas réussi à éviter son plaquage. Ouch. Ah, attends, faut pas que je retourne dans son poison. Non, il va y rester, lui, ou faut-on...
Oh, joli. Non, il y a un truc sur l'île, c'est obligé. Non, oh, ben ça. Ah, oui, il a du répondant. Ah merde! Oula, j'ai le trio complet là. Ils sont tous... Mais non, ils sont pas tous morts. L'autre, il est en train de me passer derrière toi. Oui, à toutes, Nash. Oui, mais y a pas de souci. Alors, deux soucis avec les sorties USB. Quand j'ai un jeu lourd, je dois brancher le disque dur externe. Et si je joue avec la manette, je n'ai plus de sortie USB. Ah ! Effectivement. Attends. Ah, me disait bien que c'était une plante qui se récoltait. Je vais faire de l'alchimie, moi. Un récolteur de ressources, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Oh, il pleut. Il y a une averse qui arrive. Je sais plus par où je suis arrivé. Je suis complètement perdu. Ah oui, c'était par la barrière. Ouais. Donc attends, je vais continuer par là-bas. Ouh, il y a un truc là-haut. Ah, les Dremora, ouais, c'est balèze. Faut faire gaffe. Ouf. Oh merde. Merde, j'ai tiré sur le boss derrière, je voulais pas. Non ! Mais je vais me faire déboîter, t'as vu le morceau toi ? Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Ouah, l'autre il va me démolir. Oh le bestiau. Ouch. Oh là là, mais non, mais il y a trop de monde. Voilà, je me suis mis dans la mouise. Allez, bouge. Aïe. Ouh. Oh bah j'ai eu chaud. Mazette. Aïe, il m'a immobilisé le vilain. Qu'est-ce qu'il gardait? Oh, c'est quoi ça?
La pierre d'Anshishrashrimus. Waouh, ce style architectural, alors qu'on voit le volcan derrière là, le mont Écarlate. Cette rêverie. Ouais, reine de combat. Oh, vache. Comment il s'est téléporté avec son son, lui. Alors attends, le troisième est où? Ah, il est fini avec son double magnifique. Ouais, il est mort. Ah bon. J'ai gagné. Un sac lourd. Quoi? Russul hémétique. Et ben dis donc. Non mais pour les noms excentriques là, je sais pas, les traducteurs pour chaque langue, ils ont dû s'arracher les cheveux de la tête. Oh, surtout en traître. Espèce de porte d'entrée, rien. Une entrée en général dans ces temples. Ils m'ont pas vu, ces idiots. Ah merde. Si là c'est ça. Parce que normalement on peut rentrer à l'intérieur, donc. Ouais, là je comprends plus. Je ne comprends plus. Non, je peux pas faire de l'escalade à 2 francs 6 sous, bah non. C'est pas dans la logique du truc. Ouais non. Bizarre, je sais pas, je. Oh, je vais me barrer de là. Aïe! On vient. Je vais t'ignorer, mais c'est toi qui as engagé le combat. Oh la vache, la tête de l'ennemi, toi. Oui, je récupère mes récompenses. Allez, je monte la santé maintenant. C'est vrai que, attends, ma vigueur elle est pas top. Dépenser les points. Oui, vas-y. Alors attends. Je suis en train de changer de niveau, l'autre il me réattaque en traître. Gros vilain. Mmh.
Épine de dragon. D'accord. Oula, il y a un truc derrière. Ah oh bah. C'est ma journée unique. Wouah. Merde, j'ai plus de place. Ah. C'est dégueulasse. Ah merde, je suis déjà surchargé. Ah c'est pas vrai. Faudra que je me téléporte à Vivec et que je fasse des... de l'artisanat. Ah ben voilà, j'ai pas le droit de... Ah si, voilà, j'ai appris Dark Side. Oh, j'ai plein de thé à la menthe et de thé au jasmin. C'est cool ça. C'est bien. Sympa. Attends, je vais reprendre la dernière pierre runique. J'ai des mains de vieux. J'ai vu à l'écran. C'est apparu au premier plan. Alors, la carte. Où est-ce que j'ai un hôtel de téléportation le plus proche? Oh! J'ai pas fait exprès, je savais même pas que j'avais un... Mais il est beau! J'ai une monture, trop bien. C'est le luxe! Alors, attendez. Non, je vais reprendre. C'est pas ça, c'est... Je sais plus comment on fait la carte. Je redécouvre mes touches, hein, attendez. Oui, inventaire, oui, il est plein, il est plein, il est plein, il est plein. Boutique à couronne, quoi. Ah oui, non, c'est le truc avec le vrai fric. Ah non, 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 c'est pas pour moi. Ah! Le destin vous sourit, mon ami. Vos caisses sont épuisées, mon ami. Je sais. Prochaine. Retourne chez toi, mon ami. On veut pas de toi aujourd'hui, ça parle mal. Oh, le pauvre Khajiit. Le Khajiit des quêtes. Et la carte. J'ai même pas regardé si j'avais du courrier. Honte à moi. Non, j'ai zéro. Dire alliance, guilde. Les amis, le groupe, la carte. Ah, je suis où? J'étais quelque part par là. Ah, l'oratoire de Vivec. Ah, je suis là. Oh la vache, comment j'ai divagué. Ah. Ouais, il y a ça et... Ah bah oui, de Vivec. Oh, mais tu peux te téléporter quand tu veux. Voilà, c'est complètement craqué et pété, mais bon. Oui, dans la magie de base, on apprend à se téléporter, c'est ça. Oh là là, oh bah c'est cool. Oula. Bravo, c'était très rapide. Ouh. Alors les vendeurs, ils sont où? Je sais plus. Ils sont là, ah oui. Je les ai reconnus. Ah, m'écrasez pas les gens, arrêtez. Waouh. Ça va, tranquille. Oh, il fait son invocation devant moi. Ah, le bois. Vas-y voir que j'essaye. Ah, de couture. Ah, merde. Ah, si, j'ai des jus de boots et des lanières. Raffiné matériaux. Ça.
Raffiné. Ah bah oui, je vais apprendre, moi. Ah merde. De vide. Alors attends. Je referai le... Attends, je vais d'abord faire des potions. À mon avis, je vais me libérer de l'espace. Oh, tranquille, le mec. Il a l'ours sur le comptoir. Tout va bien. C'est... La logique voudrait même que l'ours... Que le comptoir explose sous le poids de l'ours. Je vois les choses. Le travail du bois. Je le ferai après aussi. Attendez. C'était où les potions? C'était plus par là-bas, je crois. Non, il y a quelqu'un qui se désaltère. Oh, c'est beau. Vache, ça en jette. Pas mal. Un loup des glaces. Très joli. Ah, joaillerie. Alors, attends. Non, quelqu'un l'utilise. Je sais pas, c'est bizarre. Enchantement, oh bof. Allez, alchimie. Fabriquer une gorge de santé. Objet ou trait manquant. Ah merde. Voilà la certification. Hein. Ouch. Oula, j'ai des choses à tester. Alors attends, le solvant, ça va être de la flotte. C'est pas comme si j'en avais 70. Alors la belladone avec du, je sais pas, du bleuet. Ah, effet inconnu. Essayons. Pourquoi je peux pas fabriquer? Ah, il va me dire j'ai pas de place dans l'inventaire, c'est ça? Votre inventaire est plein. Merde. Ah merde, Oum. Faut que je bouffe un truc, je sais pas quoi. Vendre un marchand contre de l'or. Bon, bah alors attendez, je vais aller voir un marchand qui va m'acheter mes... Oh mon dieu, je sais plus ce que je vois. Alors attends. Il y avait un banquier, Attends, le banquier fait quoi? Non, c'est juste les emplacements de banquier. La sécurité est-elle importante à vos yeux? Tais-toi. Dis-toi et rends-moi service, ça parle mal. La maison, la Halu, gère cette belle institution financière. Boutique de Kild. Non, ok, je l'ai donc Kululu. Donc non, c'est vraiment marchand. Faut pas que je confonde marchand et banquier. Sur les quais, y a pas un marchand? Oula, le chevalier noir. C'est qui lui? Ah, c'est le maître, il faut que je lui parle. Oh, architecte d'intérieur. Oh mon dieu, de chambre. Oh, ça... oh, c'est beau. La belle cité de Vivec. Architecte d'intérieur de chambre de bataille. Ah, marchande de quoi? Du champ de bataille. Quand les imbéciles chargent au combat, les sages se préparent en amont. À quelle catégorie appartenez-vous? Un peu des deux, ça dépend de mon humeur. Mais non, mais t'es trop spécialisé, toi. Je sais, faut parler à lui, mais moi je veux un marchand avant. Au secours. Marchand de ravitaillement. Ah. Je ne vends que le meilleur aux meilleurs combattants. Mmh. Oh. Mais vous abusez. Bon. Visiblement, je me suis fourvoyé sur la route. Oula. Utiliser la purification. Aucun raccourci.
Ah bah voilà. Des cambriolages et des meurtres, cela arrive plus souvent que vous ne le pensez. Voilà pourquoi je limite la somme d'or que je porte sur ma personne. Et maintenant, vous venez acheter quelque chose ou voler quelque chose. Oh là là, dur. Oui, mais attends. Ah, voilà. Moi, je peux lui vendre. Donc, vendre, vendre. Ah, intéressant. D'accord. Alors, je vais tout réparer déjà, d'ailleurs. Oui, je lui vends. Ah, bah voilà, je me libère des emplacements. Moi, je dis merci, madame. Oh la vache. Waouh. Je porte de ces trucs. Ah, et c'est un truc important là que je suis allé chercher dans le temple. La pierre d'Ian Sirasmus. Des flammes bleues tournent dans cette pierre noire polie, mais elle reste froide. La bonne personne pourrait s'y intéresser de près. Ah ah. Eh ben je l'ai dans ma collection. Nah. Alors. Maintenant que j'ai des emplacements libres. Qu'est-ce que c'est que ce Pokémon? Oula. Je retourne à l'alchimie. Ah, je peux parler à la madame. Si vous cherchez des conseils, allez voir ailleurs. Je vends aux gens ce dont ils ont besoin, lorsqu'ils en ont besoin. L'alchimie n'est pas un art pour les indécis. Qu'allez-vous acheter? Ouais, pas très sympa la madame. Quoi? Oh, 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 oh. Alors là, je vous le dis, l'intitulé « Une enseigne avec un symbole utilisé par tous ceux qui savent faire la différence entre un alambic et un tuyau. » Ça parle mal. Oh, les salopes. Ah, et moi, je pourrais lui vendre pas mal de trucs. Ouais, bah je vais peut-être lui vendre le résultat de certaines de mes potions, même pour 2 francs 6 sous, mais... Alors, allez, on y croit. Belladone et du bleuet, il m'a dit potions aux effets inconnus. Essayons. Réduit la santé. Oh merde. Alors là, cardamine des prés, champignon blanc, ah, ça inerte. La gelée de scribe, non. Dans des trucs que j'ai déjà partiellement, la russule non plus. Ah ouais. Le bleuet, ah, 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 il va se passer un truc. Wow! Augmente la puissance des sorts. Rendre la magie. Bien. Putain, vachement bien. Succès déverrouillé, bleuet. Mais c'est quoi succès? J'ai le succès bleuet. Mon dieu, ce jeu. Aile de papillon. Chapeau blanc ne marche pas. Oh! Oh, pas mal ça! D'accord. Ah non, ça réagira pas. Avec une épine de dragon non plus. Non, potion inerte. Et là, il m'a dit que non. Ah oui, non, c'était mon truc de base. Alors.
Chitrine de Vassar avec le chapeau blanc. Ah, effet inconnu. Essayons. Augmente la résistance au sort. Sympa. C'est sympa, c'est sympa. Non, ça réagirait pas. Ravage de magie. Ravage de magie. La vache. 200% d'efficacité de magie. Bah alors, l'épine de dragon, elle interagit avec quoi? Ah bah merde alors. J'ai que des potions inertes. Alors voilà. Du mystère de l'épine de dragon. Eh bien. Bah, c'est déjà ça. Alors attends. Elle va peut-être m'acheter des potions que j'ai faites. Donc en fait, j'en aurai rien à péter. Attends d'y voir. Friande de nage longue à la sauce au melon. Oh, les intitulés. Oh là 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 là. Boah. Je deviens tout fou là, je sais plus, je suis pelle doux. Sérum de santé. Oh la vache. Oh la 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 la. Je lui vends rien du tout, je suis très content de tout ce que j'ai. C'est extraordinaire. Alors, joaillerie. Vous devez avoir accès à Somerset pour utiliser un atelier de joaillerie. Un jour viendra peut-être. Mais là, il y a déjà tellement à faire. Alors, enchantement. Wouah ! Ah ouais, c'est pas comme si j'en avais trouvé 150 000. Traduction inconnue, le Rakeipa. Le Rakeipa, je sais pas, je vais soustraire. Traduction inconnue. Ah, bonjour Adjay. Excuse-moi, je viens de Tower. Je débarque sur une pub pour la marque JBL. Ah. Oui, normalement, tu dois avoir au maximum juste une pub au moment de te connecter sur mon canal. Mais après, t'es censé être peinard. Hein. Moi, je veux pas de pub. Bonjour. Pff, le pape de la pop. Du pop, ouais. Bonjour Askar Kepak, j'espère que tu vas bien. Oh mon dieu. Ah, ouais, ça va bien. Ah, merci. Bonjour tout le monde. Eh bien. Ah, les rondes, j'en ai pas beaucoup. Ah, effet inconnu, fabricons. Urade, Rakeipa. Alors, rune traduite. Vous allez traduire les runes suivantes. Ajouter pour la porade. Et feu pour Adjetpa. Wesh. Waouh. Ça, je connais. Je connais. Ah bah, c'est bien. Niveau d'amélioration aspect 4. Puissance 2. Aspect 2. Oh. Dans les extractions. Alors, glyphe inférieur ardent. Enchantement de l'arme enflammée. Oh là là. D'accord. Oh là 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 là. Mmh.
c'est rigolo ça. Récupération de magie, insignifiant du givre. Résistance au givre. Extraire. Alors si je fais extraire ça, il se passe quoi? Ah, je gagne un enchantement. D'accord. Feu. Ah ouais, les trucs de petit niveau, je vais les extraire. Les trucs de niveau 1, allez hop. Non, 10, non, c'est important ça. Les trucs de niveau 1, c'est vraiment des trucs basiques, donc je les fais sauter. Je les convertis en expérience, c'est pas plus mal. Ah bah c'est bien. Okidoki, je garde ça. Monsieur l'enchanteur. Ah, il n'y a rien de plus luxueux que de la poussière dans toute la boutique. Seul le plaisir du bruit de chantier quotidien du matin au soir me fait oublier cette merveille. Et que puis-je pour vous ? Bonjour, Oscar Capac. Oui, j'ai passé très belle fête. J'ai passé de très belles fêtes. Pour vous mettre dans l'indiscrétion familiale, c'était un Noël marqué d'une pierre blanche au niveau des dates, on va dire, historiques de ma famille, puisque j'ai découvert le nouveau logis de ma tendre nièce. Elle a quitté le toit de sa maman. Voilà, elle a emménagé avec son homme. C'était un Noël magique. Je suis ravi pour ma nièce. Oui, j'ai été gâté, c'était... Wow. En gros, j'ai reçu un service à saké, une bouteille de saké, et vraiment pas de la merde. Ron Hacheman. Ah oui, le pape du pop fait référence à une chanson yéyé interprétée par Stéphane Vareg. Ok, alors là, tu me l'apprends. Donc, service à saké, j'ai reçu un saké, j'ai reçu des torchons de cuisine... des douceurs du genre du chocolat fourré à la menthe. J'ai reçu un... Il faudra que je vous le montre prochainement. Il faut que je le lave. J'ai reçu un mug tête d'Enderman Minecraft. Ça, c'est un excellent cadeau de mon neveu. Je sais plus. J'ai reçu aussi d'autres trucs, je sais plus. C'est énorme. Mais ouais, j'ai été gâté. C'était trop bien. D'ailleurs, le saké, je me demande si je vais pas me le goûter pour le jour de l'an. Me tâte. Ou le 31. Ouais, peut-être le 31, quand je vous démarrerai la nuit de la Saint-Sylvestre avec les promenades anonymisées, inédites, là. À voir. J'espère que t'as été bien gâté, toi aussi, Oscar Capac. Enfin, vous tous, évidemment. Mais ouais, moi, je suis très satisfait de mon Noël. Renayonnais. Ah, EJ, tant que je t'entends en com, EJ. Enfin, que je t'entends en com. C'est unidirectionnel. Si tu peux pas me répondre, il n'y a pas de vocale ouverte. EJ, à l'occasion. Là, je peux te le dire parce que Nayonnais m'a donné le feu vert. Tu peux maintenant visiblement jouer à Minecraft. Si tu veux rejoindre notre serveur, il va falloir que tu me déclines ton nom de joueur. À l'occasion, tu me fais ça en MP, tu me dis je m'appelle machin dans le jeu. Alors, par défaut, je penserais à EJ Club 06, mais t'as peut-être choisi un autre nom. Ah, très bien, de quoi remplir un peu plus l'appartement. Ah bah c'est bien, Raskar Kapak, sympa. C'est cool. Ah, ouais, you. Sacré EJ. Ah, peut-être qu'on se retrouvera un de ces soirs... Alors, je sais pas si je vais jouer à Minecraft avant le 1er janvier. Je t'avouerai, parce que comme je suis sous Windows et que c'est les vacances, je m'amuse. Je serais prêt de tenter de continuer ma carrière de raft en solo. Et je prends le temps de faire durer le plaisir. Moi, par exemple, je me fais des îles vertes dans raft, c'est dire. Donc, ça prolonge énormément le jeu. Mais on finira forcément par se retrouver à la rentrée...
à se croiser dans Minecraft. Mais il va falloir que je trouve les accès, Jay. Ah oui, je peux acheter des glyphes de malade. Ah! Ah ouais! Les runes de puissance que je connais pas. Sauf que j'ai pas le niveau, merde. Réduire, développer. Soustraire, ouais, bon, je connais les runes de base. Ah. Et B. Et je peux lui vendre des trucs. Ah. Pendant 2 heures. Oh la vache, j'en ai 15. Mais il faut être niveau 50. Oh, faut que je les garde, ça. Ready, la magie, machin. Ouais, je sais pas ce que... Non, mais j'ai trop de trucs. Il faut que je les vende. Ouais. J'ai trop de trucs. Hein. Ça vaut rien et ça prend de la place. Quoi ? Produit un poison de niveau 3. Oh là là. Ouais, après je verrai. Préparer de la nourriture. Ouais, ce serait bien que je fasse de la popote. Sérum de santé. Ouais. Faut que je boive un coup. Nayonet, tu me dis... Oh, t'as eu des chocolats. Bien, Oscar Capac. Ah, miam miam. Alors, attends, Nayonet, tu me dis deuxième session et dernier après-midi, soirée, StarCraft 2 en multi pour ceux qui veulent... Ah oui, oui, tu fais bien, oui, tu fais bien de l'annoncer pour ceux que ça intéresse. Ouais, ceux qui veulent faire du StarCraft 2, ouais. Ceux qui le veulent à partir de 14h. Alors moi, je m'arrête de diffuser à 13h parce que après, j'en profite pour aller voir, enfin aller voir, contacter surtout la famille. Je vais faire le tour de ma famille jusqu'en soirée à bavarder, à prendre des nouvelles. Donc à mon avis, je jouerai pas. Ou je jouerai dans mon coin le soir à Raft, là, comme je disais. Merci de l'invitation, hein, Nayonet, mais StarCraft 2... Je vais pas me lancer encore dans un nouveau jeu, je vais devenir tout fou. Mais merci à toi d'y avoir pensé. Ah là 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 là. Un truc de pêche en haute mer. Attends, je suis pas prêt de le faire. Ibi, dis donc. Bon, je vais essayer de faire encore un peu d'alchimie, je sais pas quoi. Il y a sculpture sur bois que j'ai... Oh. Ok, un mini système solaire, tout va bien. Ah. Il y a le truc de sculpture sur bois que j'ai pas fait. Oh, il est mimi! Moi, il est choupignou, ce familier. Oh là là. Hein, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est devenu rouge? Eh ben dis donc. Oula. L'atelier du bois, il est où déjà? L'atelier du bois. Ah, le voilà. Ah, érable brut. Raffiné. Ah! Érable poncé jade. Minimum de 10 requis. Oh!
Création. Alors, travail du bois, création. Sélectionnez arme ou armure et le type d'objet que vous souhaitez fabriquer. Sélectionnez le matériau et le style. Les traits ne sont pas obligatoires, mais vous pouvez en choisir un dès que vous en... vous avez déjà été recherché. Comment ? Que vous avez déjà été recherché ? Non, que vous êtes déjà allé rechercher, je pense. Non ? Appuyez sur R pour fabriquer. N'oubliez pas, on ne peut créer que des styles déjà connus et les matériaux de style sont nécessaires. On en achète chez n'importe quel travailleur du bois. Ah, c'est beau. J'ai eu des chocolats rhum raisin. Oh la vache, la tuerie gustative. Beaucoup de viennoiserie et une belle chemise à motifs. Oh, trop bien dans ce carcapac. Waouh, du chocolat rhum raisin. Ah, miam. Nayonet dit, d'accord, tu seras pas de la partie. Non, je décline, désolé Nayonet. Merci de l'invitation, mais je décline. Non, non, non. Pascal Capac, tu dis, le dernier album d'Astérix, l'Iris Blanc. Eh bien, ah bah c'est bien. Ah là 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 là. Alors, arc. Bâton infernal, bâton de glace, bâton de foudre, bâton de rétablissement. Oh. Yonana. Oula. Ah. Nécessite un... Aucun trait. Oh vache. Et je pourrais le fabriquer. Oui, bah, les traits, on verra plus tard. Ah. Avec mon père complétant en ce moment l'intégrale des aventures de Bob Moran en BD. Il y a une quinzaine de tomes en tout. Yeah, sympa. Alors c'est marrant parce que quand tu dis Bob Moran, je peux pas empêcher de penser à la chanson de l'aventurier du groupe Indochine. Saut de volonté et saut plus récompense journalière. Oula. Ah oui, dans 16 heures, il y aura ça. Eh bien... Inventaire de cadeaux. Reçu, envoyé, machin. Ah, c'est pas mal. Non, mais non, mais c'est le grand truc de... Oula. Le charpentier. Mon atelier est à vous, à condition que vous ne cassiez rien et que tout soit rangé à sa place quand vous partez. Ah, bonjour Van Van. Pa 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 la pa pa pa. Quoi ? Des plans de baignoire. Non mais il est sérieux lui. Ah, caisse grossière machin. Recette déjà connue. Ah. Eh bien. Ah. Ah oui, de type... Bah attends, je vais lui vendre le truc de... Les bâtons, machin. Oui, bien sûr, c'est forcé pour moi aussi Indochine et un de mes groupes favoris. Merdoum. Infusé, très ultra sec, augmente l'effet de chargement de l'arme 10%. Oh, réduit le temps de chargement de 50%. La vache, de moitié, c'est énorme. Ouais, j'avais un os de je sais plus quoi. Oui, bah je vais lui vendre. Et moi, je vais pas me servir de ça. Et ça me libère une case d'inventaire. C'est toujours ça de prix. Oh. Attends, poulet, l'estragon. Pourquoi j'ai pas le... Attends. La recette poulet, estragon, visiblement, je l'ai pas lu. Bah, je la vois plus. Ah si, là.
acré. Santé maximale augmentée dans 35 minutes. Oui, bah c'est bien ça. Cure les petits. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit où on fait la cuisine, la popote? J'ai pas vu ça. Parce que j'ai des ingrédients de base pour mitonner de délicieux plats. Mais je sais pas où ça se passe. Ziggy, lui. L'autre beau blond, là. Oui, pour info, Fun, je sais pas si tu m'écoutes. Je joue jusqu'à 13h et je te fais relais de chaîne après. Comme tu fais un direct, j'avais vu ton agenda de diffuseur. Ah, la couture. Ah oui, la couture. Alors, attends. Raffiné. Ok. Raffiné. Ok. Création. Ah, vous utilisez une pierre, un camélon, un couronne à la place d'un focal objet de style. Fabriquez un objet de style que vous connaissiez déjà. Depuis l'écran artisanal, choisissez un style que vous connaissez. Activez pierre, camélon, en couronne. Blablabla. Oui, pareil, les traits, je fais pas. Ah, une robe, une chemise, une chaussure, des gants, chapeau. Paulette, baudrier, gilet, bottes, brassard, un casque. Nanana. Coque d'épaule. Ah, un petit casque. Ou juste la coiffe. Un chapeau. Ah. Ouais, je veux me faire un chapeau. Marp. J'ai appris à me faire un chapeau. Oui, on revient là, oui, qu'on a acheté les machins. Oh là. Donc du coup, dans l'inventaire, dans les fringues. Ah là, j'ai mon chapeau. Eh bah. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai équipé, non? Ah oui! Voilà! Mon beau chapeau! Magnifique! Je me suis chapeauté. A plus, Raskarkapak! Ouais, toute la famille est là! Mais oui, t'as raison! On joue avec le chien de ton frère. Oui, c'est bien, profite! Merci d'être passé, Raskarkapak! Ouais, bon app! Oui, c'est vrai qu'il va être midi. D'accord, je serai opérationnel. J'espère que tu pourras aussi faire un peu de modération parce que tu me manques. Alors, ça va être dur que je fasse ta modération, Fun. Je vais essayer au mieux, mais ça va être dur. Je vais garder en mode textuel. Parce que je vais joindre la famille cet après-midi. Je vais passer mon temps à appeler la famille. Voilà, c'est Noël. Donc, je pourrais garder un œil juste sur les textes. Je t'entendrai pas. Je couperai le son. Oui, tu fais comme tu peux, bien compris, c'était pas facile en ce moment. Oui, puis je souffle un peu, je te cache pas que je... Ça va, c'est gym tonique sur lequel. Activation dans 3, 2, 1. Bon, bref. Oui, casser un peu aussi la routine pour Noël. C'est la semaine trêve des confiseurs. Champ de bataille. Arène, j'ai hâte de voir dans quelle équipe je serai cette fois. Oui, donc un établi de Miam. S'il fait quand insinue qu'on puisse. Mince. Ah, je suis en train de me bloquer dans le décor. Est-ce que le décor insinue que l'on puisse faire du miam, avoir le grand feu de camp là?
Oh là, il y en a qui ont des machins. Ouais, il y a lui. C'est pas un établi de bouffe, ça? Oh la vache. Gladiateur. Ouais, non. Ouais, allez, lui, il faut que je lui parle. Bienvenue. Vous vous tenez dans le cercle des champions. Une guilde formée pour éprouver l'adresse des meilleurs guerriers du royaume. Serez-vous à la hauteur? Eh ben, parle-moi des jeux de champ de bataille. Bien sûr. Nous avons de nombreux jeux sous la main. Quel défi voulez-vous découvrir? Parlez-moi du match à mort par équipe. Les matchs à mort par équipe ont toujours été populaires. Tous ces bains de sang incessants, ça donne un bon coup de fouet. Sautez sur le champ de bataille et tuez autant de joueurs que possible. Plus vous placez de coups, plus votre équipe aura de points. Mais j'ai la manière dont tu me réponds, Nayonet, de manière appuyée, je pense que t'es très déçu que je participe pas. Je suis désolé au niveau du StarCraft, mais parce que je à vrai dire, je sais pas à quelle heure je vais arrêter ma communication en famille. Donc ah là 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 là. En plus, j'ai des tâches ménagères. Il va falloir. D'ailleurs, il va falloir que je réfléchisse parce que normalement, faut que je me prépare une salade de pommes de terre à rang. Et une nouvelle fois, j'ai 3 kilos de pommes de terre à éplucher. Donc ça occupe. Je vais peut-être essayer de concilier les deux. Un moment d'appeler la famille et d'éplucher les pommes de terre en même temps. Enfin, je verrai ça après mon miam de tout à l'heure. Bref, je sais pas, parlez-moi de la domination. Tout le monde peut revendiquer un point de capture, mais le vrai talent se découvre lors d'une partie de domination. Emparez-vous et protégez autant de points de capture que possible. L'équipe ayant le plus de territoire à la fin l'emporte. Dans ce jeu, vous devez dominer vos rivaux ou être dominé. Au revoir. Mais attends, pourquoi le maître de guerre? Non, dans les quêtes. Bah merde alors. Oui, il y a le journal, mais. Là. Compétence possible, drain d'essence. Ah! Oh, c'est pas mal ça. Ah oui, je veux bien acheter. Ah ouais. Oui, c'est pas mal ça aussi. Ah, évaluer la compétence. Alors, conscience enchantée ou sport apaisante. Ah, ça vous boufferait de la vigueur, ouais. Attends, récupération de vigueur et magie, et là. Proche sont davantage soignés. Ah, peut-être la vigueur. Ouais. Pour changer. On voit les messages. On voit les messages Discord. Mais c'est bizarre parce que dans l'interface de Discord, c'est vrai que c'est pas super. C'est pas super discret. Attendez, je vais zigouiller mon Discord. Aïe 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 aïe. Il faudrait que je le désactive en fait quand je suis en. Oh bonjour Poupon, comment ça va? Oui, ce que je veux dire, je suis pas issu de la famille récente. Oui, non mais t'inquiète pas.
Bonjour Poupon. Ah, t'as passé un bon Noël? Ah oui, j'oublie Poupon. Alors. Présence glaciale. Au moins 100% des chances d'appliquer glacé aux ennemis. Compétence étrange hivernale. Ah bah ça me plaît bien ça. Oh bah oui. Eh, j'adore jeter un froid. Vous did you. Bon, bref. C'est pas ça que je voulais à la base. Journal, attends, les quêtes. Ah oui, c'est là. C'est là, c'est là. Ah bah c'est lui, je crois. Champ de bataille, machin, je dois parler au maître. Ah, il faut que je le fasse parler, et après bienvenue. Il me lâche. Vous vous tenez dans le cercle, bien sûr. Bon, bah, parle-moi des autres jeux. Parle-moi de. La connaissance peut être la clé de la victoire. Quel autre défi voulez-vous que je vous explique? Eh bah, vas-y, capture de relique. La capture de relique est un de nos jeux les plus simples. C'est... Au moins, il y a plein de variantes. Vous devez saisir la relique de votre ennemi et la rapporter à la base tout en protégeant votre propre relique. J'ai passé Noël, c'est déjà ça. Dans ce jeu, le travail d'équipe est essentiel. Ah, t'es terrible, car il faut à la fois une attaque et une défense. Parlez-moi du Chaos Ball. Le Chaos Ball, c'est simple. Vous ramassez une balle et vous la conservez aussi longtemps que possible. Plus vous durez longtemps, plus vous marquez de points. Là où ça se complique, c'est que vous devez également fuir pour sauver votre peau, en évitant les épées, les sorts et les flèches de l'équipe adverse. Eh bien, alors le roi fou. Oh, un de mes jeux favoris. Au contraire des autres jeux, où il faut rester sur place, le roi fou fait vraiment bouger. Dans ce jeu, le point capturé se déplace sans cesse. Il faut avoir le pied agile et bien gérer ses défenses. C'est difficile de gagner quand on est mort. Tu m'étonnes. Oula. Ah oui, ça me rappelle quelque chose, ce familier. J'ai vu ça dans un Elder Scroll, je sais plus lequel. Je pense que c'est pas dans Skyrim. Ça me dit quelque chose. Ah non, le mec il est toujours actif. Bon bref. Alors ce qui me chagrine, c'est de pas avoir trouvé de stand de bouffe. Attends, elle fait quoi elle? Ah oui, 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 marchand de champ de bataille, oui, non, c'est vrai. Eux, ils sont tellement spéciaux, c'est pas pour moi. J'ai vu ça dans un film, Screamer. Ah non, mais il y a des bizarreries. Oh, stylé. Oui, alors lui, il a manqué le machin. Oula. Ah, il y a un mec qui est planqué. Oh, il y a quoi derrière lui? Qui disait? Encore un bouquin. Oui, là aussi, on pourrait se poser la question de... Oula. Quoi? Qui que quoi? Ah, d'accord. Je disais, mais pourquoi une interaction? Sur le Discord, ce que tu m'as demandé, je t'ai envoyé le cahier des charges des jeux que tu devras... Ah, très bien. Bien joué, FunFan. Très, très bien joué. Ouais, ça va me permettre de me préparer en amont. C'est très bien. Merci. Apparemment, je peux pas monter sur le truc. C'est pas fait pour. C'est juste un décor. Oh là là. Oh, oh les bestioles. Ah, couture, j'ai... Ah bah si, j'ai fait couture, j'ai des bêtises, j'ai fait mon chapeau. J'ai fait mon chapeau.
Non, bah, je vais voyager où je peux. Attendez, j'ai loupé le chapeau. Le chapi, chapeau. Ah oui, alors. C'est ça. Le premier qui dit chapu. Le chapi, chapeau. Chapu, chapu, chapu. C'est un scandale. Ah oui, non, la marchande, j'avais déjà échangé avec elle. Bon, là, sur les quais, je pense que rien ne me sera à portée de neuf. Ah oui, le mec bugué. Comment ai-je pu l'oublier? Aïe, aïe, aïe. Chapi, chapeau, pas chapeau, chapeau, chapi, chibidi. Allez, zou, on va un peu dans les intérieurs. Bon. Je remarque néanmoins que ce superbe jeu pratique une ségrégation et un racisme anti-pandarou évident, c'est honteux. Oula, parterre de fleurs. Ah ouais, guide des guerriers, ouais. Ok, et là c'est quoi? Ah, c'est le canton supérieur. Attends, on va déjà visiter l'inférieur avant d'aller au supérieur. Oh, j'aimerais bien trouver un établi de bouffe. Parce que j'ai des ingrédients sur moi et je pourrais me faire des plats. Oula. La madame, elle est pieuse. Un chant de Noël là, quoi. La vie est une aventure, cours aussi vite que tu peux. Chante, chante avec des fioritures. Tout est drôle quand on s'en fiche un peu. C'est le chien qui chante, ouais. L'auberge. Putain, c'est superbement décoré. C'est bien pensé. Ameublement de... Ah, mobilier de Vivec. Oh là là. L'auberge. Peut-être avoir une bonne rencontre à l'auberge. Oh! Ça en jette. C'est stylé. Oh, bonjour, madame. Madame Épinard. Entrez, reposez-vous donc. Et bienvenue dans la taverne la plus accueillante de tout Vardenfell. Vous pouvez y parier votre dernière pièce d'or. Oh. Ah, ok. Bon, j'ai rien à faire réparer, mais... Ah, bien, ouais, comme un marchand, ouais, ça compte. Je pourrais me débarrasser de trucs si je souhaite mettre en vente. Bon, là, ça va, hein, je vais pas... Mais c'est sympa. C'est sympa. Oui, Christella, ouais. Attends, c'est quoi en noir, là, que je vois? Mais c'est un voleur. Il est fou, lui. Quoi? On recherche locataire. Vous êtes un homme de bonne réputation, vous avez des tendances homicides faibles à modérer. Vous cherchez une demeure confortable, mais vous manquez de fonds. Que direz-vous d'une chambre d'auberge gratos? Mais oui, complètement gratos, sans frais cachés. Venez voir Féland de Marie à votre auberge locale pour savoir plus sur cette affaire exceptionnelle. Oui, c'est le truc qu'avait déniché Dragon Sky, je crois. Oh là là, au lieu, pas alors. Oh la vache. Ah, ça en jette. Attends, on dirait un meuble chinois, là. Ebé. Wow! Eh! Hey, original! Pas mal, le lit à baldaquin! Wow! En fer forgé, il est stylé, le truc. J'aime beaucoup l'imagination.
trop la classe. Ça va bien avec l'ensemble de la pièce, tout, c'est... J'ai d'un raffinement, j'ai d'un bon goût. Le loft de Saint-Auberge, c'est un foyer. Ah. Oui, donc moi, je l'ai pas acheté. Le truc, je le visitais vierge, comme si je souhaitais l'acquérir, c'est ça? Je teste. Hein. Oui, c'est... Ah bah non, j'avais acheté, mais c'est mon chez-moi. Mais oui, j'avais mis des éléments à la noix. Voilà, c'est... sans faire exprès, j'ai retrouvé mon chez-moi. Oh là 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 là. Oui, aménagement, tiens, vas-y voir que je m'amuse un peu. Ouais, je peux... Ah oui, je pouvais lier des trucs, ouais, c'est vrai. Et c'est des fausses caisses, c'est juste pour le décor, j'étais deg. Moi qui voulais... faire du stockage d'objets. Quoi? Ah oui, le cheval, oui d'accord, ok, ça compte comme un... Récupérer... Oula. Les tabourets luminaires, ouais. Salon, ouais. Réglage. Accès... attends. Visiteurs limités, c'est les copains, non? Les joueurs peuvent visiter cette maison, mais... Non, bah alors je veux dire que c'est interdit, parce que là, je comprends pas. Occupant, bah oui, c'est moi, visiteur, machin. Oh là là. Zéro filtre, tous les thèmes. Ok. J'ai pas tout compris, mais c'est pas grave. Oh là là, bon, c'est pas grave. Oublions, je ressors de là. Je vais avoir la demeure la plus pourrable, la plus pourrie du jeu, de tous les joueurs du monde. La misère. Ah merde! Ah ouais! 120 en Bretagne de ton côté. Oui, Fripouille va décoller, ouais. Bon app! Merci, bisous. Bon app, Poupon. Ouais, hein, la maison, elle est... Wouh! Elle est très très modeste. C'est un entrepôt qui dit pas son nom. J'ai terminé les ventes de Noël World of Truck. Oh, bien aïonné. Ibi. Attends, il faut que j'aille dans l'auberge pour accéder à mes appartements. C'est... Bon, bref. Ah, c'est la magie du jeu vidéo. Bonjour Christella. Ennemis, professeurs, donnés par les dieux précurseurs. Nous sommes leurs créatures. Oula, ça va, tranquille. Voilà, ouais, truc d'opium. Oula. Quoi? Joueuse de gloire. Ah, il y a un jeu de cartes. Oh là là. Mimi. Ouais, non, ça c'est pour remonter dans le... Alors, en bas. Alors, j'ai pas fait l'étage supérieur, mais... Oh, refuge de hors-la-loi de Vivex, ça m'intéresse. Même dans une cité en construction, on peut compter sur les malfrats locaux pour installer au plus vite un lieu où ils pourront mener leurs affaires illicites. J'adore. Attends.
Chaque refuge... Merde, j'ai pas le temps de lire. Oh la vache. Bon. C'est particulier. Vous êtes là pour le travail ? Avant que vous ne me posiez la question, oui, nous partageons les gains équitablement. Et non, je ne changerai pas d'avis sur ce point. Un travail ? Quel travail ? Vous ne venez pas pour l'annonce ? Non. Laissez-moi vous expliquer. Je cherche un associé pour une tâche ardue, bien payée, mais semée d'embûches. Est-ce le genre de choses qui pourrait vous intéresser ? Bah oui, l'aventure, c'est l'aventure. Comptez sur moi. Je suis ravie que vous ayez pu venir. J'ai fait affréter un navire. Dès que vous serez prêt, retrouvez-moi là-bas. Tenez, je vais indiquer le point sur votre carte. Apportez des crochets, ils en vendent ici si vous n'en avez pas. Oh, et n'oubliez pas des vêtements chauds. Où allons-nous exactement ? On parlera des détails au lieu de rassemblement. Ce n'est pas parce que je me méfie de vous, mais je ne crois pas avoir fait bonne impression ici. Enfin, si ça vous intéresse toujours, c'est le cas ? Je plaisante, bien sûr que vous en êtes. Oui, ça vous surprend que j'ai accepté, pourquoi ? Je n'ai jamais eu de partenaire. Enfin, pour tous mes gros coups, je les ai toujours faits seuls. Et la plupart des gens que j'ai vus trouvaient que le lieu de rassemblement était trop loin. Alors, vous avez marqué les quais d'Avrevois sur ma carte, pourquoi Avre-Tempête ? Pourquoi ne pas partir directement d'ici ? Ma foi, j'ai payé le navire en avance. Je ne savais pas que je devrais aller aussi loin pour trouver un partenaire convenable. Pour la tâche, je veux dire. Mais nous pourrons parler de tout ça, ok ? Ah, ok. Bon, c'est toujours une quête que je pourrais éventuellement faire. Ah là 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 là. Demi-forêt noire. Ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé. Mais j'espère que c'est une vraie forêt noire pour toi, Christella, avec de la liqueur de cerise. Pas un truc de flotte. Oh la vache. Quoi ? Quelqu'un a joué de la trompette là. Oula. Une marchande. Je préfère traiter avec ceux-là qu'avec la plupart des nobles. Plus un client a de l'or, moins il a envie de s'en séparer. Ha ! Ouais, vendre, ouais, bah je peux lui vendre ce que je veux. Oui, bon, ça reste un marchand lambda, quoi. Mais c'est bien. Aïe, merde, je suis tombé dans la flotte. D'accord, lui, c'est un receleur. Je ne suis pas regardant sur ce que vous m'apportez, ni sur sa provenance. Pour moi, une vente est une vente. Alors, vous trouvez des receleurs dans tous les refuges hors la loi présents à travers Tamriel. Vous ne pouvez vendre qu'un nombre limité d'objets volés à un receleur chaque jour pour une fraction de la valeur de l'objet. Le receleur vous permettra aussi de blanchir un nombre de limité d'objets volés que vous désirez conserver. Oh ! Eh bien. La 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 la. Tiens. Vache. Il y a des choses. Voilà, c'est qui elle? C'est sympa ici. Mais ce n'est pas chez moi. J'ai l'impression de me cacher. Les gens comme nous ont besoin d'amis puissants pour se faire une place dans le monde. Les gens comme nous ? Ne jouez pas les innocents. Je le vois dans vos yeux. Vous avez tué des gens ou vous comptez le faire. Nous aspirons aux mêmes choses. Entre nous, il paraît que la confrérie noire cherche de nouvelles recrues sanguinaires. Je vais faire en sorte d'attirer leur attention. La confrérie noire ? Vous n'avez jamais entendu parler de la guilde d'assassins la plus notoire de Tamriel ? Selon la rumeur, c'est en ôtant la vie d'un innocent qu'il vous recrute à la confrérie noire. Là-bas, les assassins laissent libre cours à leur passion. Pensez-y.
Merci pour l'information. Un conseil. Quels que soient vos appétits, la confrérie noire préfère faire profil bas. Rappelez-vous, tuer des innocents attire l'attention. Mes sources me disent que l'on recrute à cœur enclume sur la Côte d'Or. Je serai sur les quais de la ville si vous voulez m'en reparler. Mon Dieu. Au revoir. Non, à mon avis, la guilde de... Je serais plutôt tenté de le faire en dernier. Il y a la mère de la nuit, là, qui est leur divinité. Oh là là, c'est... C'est très spécial. Alors l'auberge, là c'était le mobilier de Vivec. Oui, c'est sur le côté pour aller à l'étage supérieur. Ah, c'est là où je vais me présenter à la mauvaise porte. Si, c'est bon. Canton supérieur de Vivec. Attends, c'est la sortie du... Ah, guide des mages, ça me plaît beaucoup. Alors, c'est un mystique. Bienvenue à la guilde des mages, mon ami. En êtes-vous déjà membre? Sinon, parlez au magistère des avantages de notre organisation. Ah oui, c'est 500 la... Ouais, la pierre, la vache. Allez, je reprends une deuxième. Ouais, là aussi, je pourrais vendre des trucs. Réparer. Non, j'ai rien à réparer, c'est cool. Ça fait plaisir de vous revoir, adepte. Votre présence dans la guilde la rend plus forte. Bah, qui dirige la guilde? Nous sommes neutres dans la guerre entre les trois alliances. Si beaucoup d'entre nous, au guet de Vulkel, restons fidèles à la bannière de l'aigle, lorsque nous traitons les affaires de la guilde, nous ne devons allégeance à aucun monarque. Voilà pourquoi vous trouverez dans nos maisons des membres de toutes les races. C'est moi ou c'est un bug là? Parce qu'il n'a pas lu le texte qui est à l'écran. Bizarre. Étagère de livres, fouillée. Ok. Oui. Ah oui, siège utilisé. Ouais, j'ai dit que... lui, je sais pas, il a pas de spécialité. On va se promener. Ah, j'ai un truc de quête là. Alchimie. Ah bah oui, c'était le fabriquer une gorgée de santé. Objet très manquant. Il vous manque des matériaux. Vous n'avez pas découvert les traits permettant de fabriquer ceci. Expérimenter les matériaux. Oui, ça viendra. Ça viendra.
Tiens, si j'essaye un poison de niveau 3 avec aile de papillon et truc dragon, ça marchera pas. Ouais, oh, attends, on va prendre de l'eau claire. Ah, galette des rois, moyen. Honnêtement, la galette des rois, je suis pas super chaud. C'est délicate attention de ta part, mais. Je sais que bah le week-end après le jour de l'an, le week-end du 7-8 janvier, je serai pas là. Je serai juste présent le samedi matin. Et je sais que dans la famille, je vais manger de la galette des rois. Donc, on me la présente, tu sais, poliment, je la mange, mais je suis pas demandeur. Je cours pas après. Même avec de la compote de pommes dedans. En fait, pour moi, je trouve que c'est trop pâteux. Ça me gave. Le seul truc pâteux qui passe, moi, et encore quand j'étais plus jeune, j'aimais pas, j'ai appris à aimer en étant adulte, c'est notre fameux pâté lorrain. Pâteux. Notre pâté lorrain, oui. Alors, tarte au citron, là, par exemple, là, oui, là, je serais plus enthousiaste. Enfin bon. Mais merci à toi. Ouais, ça réagit pas. Bon, tant pis. L'alchimie, il va falloir que j'élargisse mes échantillons. La grande mage. Comment les elfes noirs peuvent-ils se montrer aussi légers? Ils sont à côté d'un énorme volcan prêt à exploser, sans parler de l'énorme rocher qui flotte au-dessus de leur tête. Rien de tout cela n'est naturel. Ha! Ouf! Oula, ça n'est pas familier, ça. Oui, non, j'avais ajouté un max de santé, moi. Oh la vache, bâton de glace. Alors moi, en main droite, j'ai un niveau 9. Eh bien. Ah, j'ai. En santé maximale, 68. Ouf. Ouais, c'est au niveau supérieur. Et elle, pareil, je pourrais lui vendre tout et n'importe quoi, visiblement. D'accord, bon. Elle mérite d'exister. Table enchantement. Ah oui, c'est ça, c'est vrai. C'est vrai. Attends, base, santé, machin. Putain, je peux pas jouer. Oui, je connais pas. Oui, bah, faut que j'en monte de niveau. J'ai compris. Attends, je viens de là, je crois. Là, il y a l'île des guerriers. Et là, c'est fermé. Ibi, ça en fait des choses. C'était guide des guerriers machin. Bah je suis retourné au canton supérieur. Mais c'est quand même bizarre cette histoire de pas trouver aisément un coin de bouffe. Est-ce que je peux rejoindre un autre? Oui non, ça c'est la. Oui. Il y a la grande bibliothèque de Vivec. Oula, place Saint-Ox. Oh, le plafond est magnifique. Waouh.
Il y a un jongleur. Le pauvre, il est tout seul, le jongleur, il doit bien s'ennuyer. Encore un marchand, il n'a rien de spécial. Le commerce ralentit depuis que la montagne gronde. Je vous en prie, si vous avez une once de compassion, achetez-moi quelque chose. Oh, l'autre est... Bon. Une fois que je suis là. Ah. Alors, je passe à l'étage inférieur. Halle des tanneurs et mineurs. Tiens. Par curiosité, je vais m'y rendre. Travailleuse du cuir et marchande de sacs. Ah, c'est pour avoir les emplacements, elle. Je me souviens. Je ne sais pas quoi penser. Ah, de mes lui, pardon. Azazi, c'est un garçon. D'un côté, ils réduisent les gens comme moi en esclavage. Et de l'autre, leur bourse déborde d'or, en somme que je n'ai jamais vue. Que faire? Que faire? Mais ça coûtait cher maintenant, je crois. Agrandir. Ah, pour, oui, pour 20 000. Oh la vache, oui, non, ça fait cher. Mais. Oh, c'est bien, ça. Sans emplacement. Travailleuse du cuir. Les orques sont les meilleurs travailleurs du cuir du monde entier. Ne laissez pas un elfe noir vous dire le contraire. Allez-y, regardez, vous verrez. Vache. M'en fous, j'ai fait ma coiffe, moi. Nya. Oula. C'est une technicienne de surface de niveau 10. Vous me dérangez en plein travail. Oh là, oh, pardon, madame. Oh là, elle est redoutable, là. Bon. Ah, fermiers et ouvriers. Bon, ben, on va aller voir toutes les confédérations, là. Ah, le bouquin, j'ai failli le louper. Épicier. Ah! Le seigneur Vivek est venu dans ma boutique l'autre jour. Oh! Charmant. Très poli. Il m'a même demandé si j'aimais sa belle ville. Mais il n'a pas dépensé une seule pièce d'or. J'espère que vous valez mieux que lui. Oh! Ouais, mais il a besoin de rien, le seigneur Vivek. Il est autosuffisant de lui-même. Il est divin. Ah, pas mal! Ah, l'idée de faire de la miam de la bouffe m'intéresse. Dis-moi qu'il y a un hôtel de un truc pour faire le miam tout proche. C'est où? Oh. Les meilleures marchandises du coin. Mais oui, mais j'adorerais cuisiner, mais je trouvais un. Ah. Allez. Bon, bref. Vous devrez m'excuser, je n'ai pas... Titoué. Quoi? Utiliser pour apprendre la recette. Ah, couture de... Oui, ça grossit en toile de joute, ouais. Melon, j'en ai déjà. Ah, maïs, j'avais pas. Légumes verts, j'avais pas. Citrouille, j'avais pas. Carotte, j'avais pas. Betterave, j'avais pas. Et banane, j'avais pas. Au moins que j'apprenne à faire des trucs. Bon, j'ai blindé mon inventaire de bouffe. Voilà, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire. Mais je veux apprendre à cuisiner dans le jeu. Ah, c'est où qu'on fait sa popote? En bas? Boum. Voilà le saut de fou que j'ai fait. On représente trop bien. On peut te chatouiller sous les bras. Ah, mon Dieu. Mmh. Oh,
Je comprends pas qu'il n'y ait pas d'hôtel de miam, de bouffe, plus que ça. Ça va, tranquille. Ah oui, non, c'est là où je suis allé, ouais. Excusez-moi, messieurs, dames. Oh, pourquoi c'est en lambeau, ça? Il y a un... Oula, oui, c'est bizarre. Pourquoi c'est en lambeau? Il y a un félin qui s'est excité dessus, ou quoi? Oula, lui, il est complètement pimpette. Oh, tailleur et teinturier. Ah, brasseurs et poissonniers. Rien qu'à l'intitulé, ça me donne faim. Alors, cuisinière et lui, brasseur. Brasseuse, pardon, c'est une Comment dame. Comment puis-je rester saine d'esprit dans une terre peuplée de créatures cauchemardesques? C'est facile. Je bois, pardi. Je vous conseille une bière particulièrement forte si vous venez d'arriver. Oh l'hôte. Alors une mousse, comme demain je pense diffuser toute la journée, demain je vais sûrement savourer une mousse comme si on était un samedi. Nah. Plaisir de Noël. Ah ouais. Oh là 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 là, la richesse de ce jeu, mais c'est la folie. Recette déjà connue, utilisée pour apprendre la recette. Ah, pas mal. Du thé amer, machin, machin. Oh, faudra que j'achète des recettes quand j'aurai les emplacements libres. Vous êtes trop maigre, vous devriez manger. Tenez, goûtez ça. Délicieux, non? Oh l'autre. Non! C'est délicieusement scandaleux, scandaleusement délicieux. Ah, regardez-moi ça. Oui, là je retourne dans le... Oui, c'est que... D'accord, lui prépare le poisson. D'accord, c'est un étal planqué de poisson. Ok, ok. Non, mais ce qui m'attriste, c'est de toujours pas avoir d'hôtel pour faire de la bouffe. Ah! Merci! Fallait que j'aille derrière le comptoir. Comment ça, du poisson? Poulet à l'estragon. Voilà les épices. Ah ouais. Bien, soupe à la tomate. Ok, vas-y. J'adore l'animation quand qui se lèche les babines. Oh, bière brune à la noisette. Oh, ça fait envie. J'en veux 14 milliards. Non, j'abuse. Allez, je vais en faire 5. Ah, mais c'est pas mal le dopage bière brune à la... Ouais. Soyons fous, allons-y. Ouais, bien, bien, bien. Oh, du thé. Ah, magie, machin. Vas-y. Du thé à la combline. Tonique. Waouh! Augmente la récupération de vigueur en 35 minutes, en recharge 5 secondes. Eh, pas mal! Merde, pourquoi je peux pas le fabriquer? Parce que j'ai plus de place! Voilà pourquoi! Attendez là, oula! C'est merveilleux ça! Oui, déjà dans la bibliothèque. Oui, bah oui, non, tourner la page, non, oui, non, oui. Je peux pas le soustraire dans l'inventaire, en fait. Oh. Oh, j'ai de ces trucs, je veux rien jeter.
préparer les boissons. Ouais, les pierres d'âme, pommes de terre, pommes. Oui, ça, je me garde un peu pour plus tard, mais c'est bien que j'en ai autant. C'est sympa. Je sais pas si j'ai une touche liée à la consommation de ça, mais... Poussière de platine, non mais il y a des intitulés. Soupe de tomate machin. Oh là 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 là. Bon, c'est pas grave, je repasserai un jour là, mais waouh, c'est la folie. C'est la folie, c'est la folie. Eh bien. Ouais, tailleur teinturier. Allons voir ce qu'ils ont à proposer, eux. Atelier de tenue. Le pinceau et le seau vous permettent d'appliquer des teintures à votre armure. La gomme et la pipette vous permettent respectivement d'effacer les teintures sur certains espaces et les copier d'un espace à l'autre. Quand vous obtenez une teinture, l'icône de verrou en face de son icône est retirée. Faites clic droit, teinture bloquée pour savoir comment la débloquer. Oh. Ah ouais. Compagnon récolteur de ressources. Ah. Il y a des peu communs, il y a des rares, il y a des matériaux. Oh 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 oh. Oh que je suis pauvre. Encore que... Ah, dans peu commun, pourpre du pillard, acquéreur épique. Ah, je vais me faire couleur mauve Twitch. Alors, qu'est-ce que je peux teindre, en fait? Vous avez une nouvelle tenue. Oui, bah oui. Ma tête, par exemple. Système de tenue. Vous apprenez les styles de tenue en même temps que les styles d'artisanat. Vous pouvez configurer et porter une tenue à partir de tous les styles que vous connaissez. Les styles se trouvent en jeu ou s'achètent à la boutique de couronne. D'autres tenues peuvent être achetées dans la boutique de couronne. Ok. Ah, j'ai des variantes. Oula. Oh. Là, le perso, il fait peur. Ah, pas mal. Et on se croirait dans Assassin's Creed, là. Faut arrêter. Oh, la vache. Mais il y a de ces trucs. Le casque de Breton. Mais c'est génial. Oh, la richesse de jeu, c'est un truc de malade. Waouh. En lourde. Ouais, mais là, on voit plus la tronche de mon perso. Indomptable et signature. Oh là là. Non, je vais prendre un truc léger. En léger, c'est bien. Tu débloqueras des couleurs avec les succès et récompenses de quête. Et les styles, faut les apprendre dans récompenses de quête aussi. D'accord, d'accord, méchi pour les infos. Bon, elle est bien la petite toge, la serviette sur la tête. J'aime bien, moi. Alors, je veux la colorer en mauve. J'ai fait comment? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Teinture. Ouais, mauve. Passer couleur, copier couleur, remplir. Ensemble, sauvegarder. Mais non, mais non, mais non, mais non. Attends. Compagnon. Non, 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 non. Teinte de déguisement verrouillée. Quoi? L'application de teinture de votre costume, votre chapeau n'est pas disponible actuellement. C'est possible, peut être débloqué en adhérant. Ah, il faut être ESO plus. Oh là là. Oh les vilains. Toujours une histoire de gros sous. Oh les canaux. Tu dois cliquer sur les cases à gauche de ton écran en fonction de la pièce d'équipement que tu veux changer. À gauche de ton écran, en fonction de la pièce d'équipement que tu veux changer. Là, je suis sur le chapeau. Mais... ouais. Non, non, bah non. Ah ouais, il y a des styles là aussi.
Vache. Ouais, ouais, les grands rectangles. Ok, merci. Oh là là, ça va chercher loin. Eh, pas mal! Pas mal, pas mal, la grande robe colorée. J'aime bien. Ah ouais, la grande robe colorée, comme ça, j'aime beaucoup. Alors, les mains. Les mains, les mains. Alors, attends, il y a légère, il y a lourde, il y a... Alors, tu me diras, comme il est vieux et qu'il a vraiment des doigts de vieux, je vais peut-être mettre lourde, je sais pas, pour masquer le... Ses mains font peur. Attends, vas-y voir que je mette un peu de côté. Ouais, un peu en biais, là. Ah, mais il réinitialise mon truc. Mmh. Ah, en moyenne. Ah, c'est pas mal, ça. Ah, celui-là, je le trouve stylé. Bien. Tu peux combiner comme tu le sens. Ouais, c'est vachement bien. Avant, il y avait Nayone cosmétique et maintenant, c'est le sage. Ouais. M'en parle pas. Ah, j'ai pas d'épaulettes. La taille, maintenant. La taille, la taille. Écharpe bretonne. Ah, d'accord. Ah, pas mal. Celui-là, par défaut, n'est pas me déplaire. Enfin, n'est pas pour me déplaire. Il y a des moyennes. Bof. Bof, bof, bof. Elle est lourde. Hmm. Hmm. Ouais. Pas convaincu. Ouais, il y a des signatures. Par exemple, là, c'est apparence nanana ou événement. Oh là 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 là. Attends, il y en a une qui me plaisait, qui était pas mal. Ouais, celle-là en coloré, je la trouve franchement pas mal. Ça me plaît bien. Alors, les jambes maintenant. Ah bah, on voit rien, j'ai une robe de... Je sais pas, je vais me mettre un froc par défaut. Allez hop, pied. Ah, attention, les pompes, on peut voir. Oh là là. Moyen. Oh, je sais pas. Les simples lisses me plaisent bien. Attends, il y a le style d'arme. Ah, d'accord. Attends, il y a les bâtons de... Ok. C'est énorme. Ah, j'aime bien celui-là. Ah, pas mal non plus en forme d'épi, là, de... Ah, j'aime bien en forme d'épi. Il y a celui-là et il y a celui-là. Ouais, le petit de base, il me plaît bien. Appliquer des changements. Alors, choisissez la devise. Ah bah voilà, confirmé. Ah. Mais le coup de la couleur... La tenue a été mise à jour. Non, non, je veux pas renommer la tenue. Déjà depuis niveau 15. C'est bizarre le teindre tout. Non, mais c'est réservé à ISO Plus le fait de mettre les couleurs, de ce que j'ai compris. Ah, c'est ça que tu me disais?
Ah, c'est là! Merci, Nachevman. D'accord. Ok, merci. D'accord. Ok. Je viens de piger. Il aura fallu du temps, mais... Oui, moi aussi, je vais pas tarder. Ouais. Merci, oui, Christella, bonne app. Bonne popote. Et merci, Nash, de me guider dans l'interface. Ah. D'accord. Waouh, c'est bien pour un match de glace. Ah, j'adore. C'est trop beau. Un petit peu de rose ou un petit peu de bleu? Bah, match de glace, c'est un peu de bleu, non? Un peu de bleu. Bon. Voilà. Trop stylé. Oh, il est trop bien. Allez, on applique. Ah oui, je repaye un coup. Allez, zou. Ah ouais. Ah, trop bien. Trop bien. C'est quoi ce truc? Oh mon dieu. Voilà, les ateliers de couture. Placard vide. Ah! Ouais, faut prendre le temps d'observer. Canton supérieur de Vivec. Oui. Oui, fermé ouvrier machin. Non, mais j'ai fait ça. J'ai fait. Mais attends. Le coup de la bouffe, ça me. Parce qu'il va me dire, oui, j'ai plus de place. Et oui, j'ai plus de place. Non, la prochaine fois que je jouerai, il faudra que je consomme plusieurs trucs de miam pour avoir des bonus. Mais ça, c'est comme tout à l'heure. Il faut le faire en début de partie pour avoir le bonus. Oh la vache, cette teinture bleue. Oh la vache. Trop fort. Mais bien. Bien. Alors attends, où est-ce que je suis pas allé moi? Ah oui, il y a la bibliothèque de Troupe-Muche. Et puis oui, ça va pas au-delà parce que c'est en construction, pardi. C'est en construction. Attention, je passe sur le pont inférieur. Oh, ce rayon de soleil, c'est beau. Eh bien, il y en a. Comment ça? Ce projet n'est qu'une enfilade de désastres. Comment voulez-vous que je construise cette ziggourate en temps et en heure avec tous ces contretemps? Ne faites pas attention. La journée est longue. Alors, l'archichannon Tarusman, ouais, je dois vous emprunter votre pierre de bénédiction. Notre pierre de bénédiction? Savez-vous ce qui va se passer si nous vous la confions? Eh bien, moi non plus. Mais cela ne nous fera pas rattraper notre retard, sans parler de mettre fin à la série de désastres. Je ne suis pas du genre à m'opposer à l'archichanoine, mais c'est une idée catastrophique. Le seigneur Vivec a besoin de la pierre de bénédiction pour effectuer un rituel. Le seigneur Vivec? Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? En revanche, je vais avoir besoin de votre aide avant de vous confier la pierre de bénédiction. Le passage menant à la salle de consécration s'est effondré en piégeant des ouvriers. Si vous pouvez dégager la voie, je vous laisserai emprunter la pierre.
Eh ben, la prochaine fois que je ferai du Tezo, je ferai ça. Je dégagerai, libérer les ouvriers. Merci pour votre aide. N'oubliez pas que ce n'est qu'un emprunt. Elle doit retourner dans la salle de consécration avant le prochain changement d'équipe. Ou bien cette ziggurat ne sera jamais terminée à temps. Alors, la survivante de Shirala, t'as vu comment que je suis beau? Trop bien pour un mage qui hommage. Je peux tout congeler. Oula. Ils sont morts ou... Tout va bien. Je crains qu'ils soient morts. Oh le bordel. Merci. Je vais dire aux surveillants ce que vous avez accompli pour moi. C'est surtout que tu ferais mieux d'être soigné, oui. Travailleurs, travailleuses, on nous exploite, on nous palie. C'est... J'ai mis Tarlette la guillée dans les guignols de l'info. Waouh. Il y en a qui font c'est bon. En fait, la quête, elle est un peu neuneux, en fait. Faut trouver les deux travailleurs qui ont le... qui sont en péril, et puis... Ah, oula. Et finalement, la quête, je suis en train de la faire. Ça prend à peine 2 minutes. J'ai cru que j'allais mourir là. Oh, merci de m'avoir sauvé. Papalapapam. Oula. Et... Ah oui, elle était là, la miss. On dirait que vous avez tracé un chemin parmi les débris et sauvé mes ouvriers. Merci. Prenez la pierre de bénédiction. Nous commencerons bientôt les réparations. Eh ben, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Alors attends, ce qui me gonfle, c'est la quête qui est affichée, qui est tuer un innocent, et ça m'intéresse pas du tout. Objet de quête, non, ah non, quoi ? Pierre magique, enregistrer, projeter les souvenirs, harmoniser avec l'âme de Lilian Lerano. Ah oui, c'est vrai que j'avais la quête là aussi. Ah mon dieu ! Dans le journal. Oui, non. Mais non. Dilem divin, Dilem divin. Voilà. Oui, voilà, c'est mieux. Parce que sinon, j'ai complètement largué. Hop, 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 hop. Dis-moi quand t'es prêt, hein, Fun. Je sais pas si tu prépares ton antenne ou pas, là. Parce que, non, tu prends un trésor. Ouais, ok. Il y en a qui ont ces trucs. Oh la vache! Alors lui, il bosse le bois. J'ai toujours autant d'ampoules, mais maintenant je peux les soigner dans le confort de ma propre demeure. Fini les enclos encombrés d'esclaves. Ah, c'est beau. Comment ça se passe de construire une ville? La sueur se glisse entre mes écailles. Mais ça ne me dérange pas. La sueur l'emporte. Lorsque la ville sera terminée, je prendrai mes économies et j'emménagerai dans un beau petit marais.
sans barde et avec moins d'elfes noirs. Pourquoi pas pour fonder une famille? Revoir. Ah bah c'était un beau témoignage de se quitter là-dessus. Je sais pas. Ah bah c'était bien. Prochaine récompense dans Oula. Oui, je quitte le jeu. Attends, il va me redonner la main. Oh là là. Attends, le jeu est tellement énorme qu'il y a même un délai pour quitter le jeu et retrouver son écran d'ordi normal. La 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 la, la danse du curseur. Ah, il fait du Mafia. Mafia 2. Édition définitive. Eh ben, on va filer voir FunFan. Attendez, je vais lancer le hop, Google Prout Prout. Merci à vous toutes d'avoir été là. Bon appétit, bisous. Moi, je vous dis à demain matin. Demain matin, normalement, demain, je diffuserai toute la journée. Du jeu au pif, hein, j'ai rien choisi. Je ferai peut-être du Stardew Valley. En ce moment, j'aime beaucoup le Stardew Valley. C'est le côté apaisant, drôle, et puis c'est sympa pour Noël, c'est relaxant. Mais je ferai pas que ça, évidemment. Merci, Nashemman, banane à toi aussi. Alors, attendez, faut que je restaure Attendez, je vais peut-être vous montrer ma tronche, déjà, par défaut, de que vous voyez mon fond d'écran. Oula, je me suis tassé dans mon siège. Ah, ah, ah. Ouais, peut-être que je me redresse. Ouais, restaurer les 8 onglets. Armez-vous yes. Du piquant, il y a des... Ah. Ah oui, tiens, c'est une de mes vieilles rediffs. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il me lance? Lancer un raid sur une chaîne FunFan. Allez, go. Go, go, go. Merci Zoubi, les copains, à demain. Ouais, je vais aller voir la famille. Enfin, aller voir la famille. Contacter la famille. Ça va durer toute l'après-midi. Et peut-être une partie de la soirée, c'est pas à exclure. Vivement une session de petits joueurs. Command & Conquer. Ouais, aussi. Ouais, on pourrait s'organiser ça. Peut-être demain, si tu veux. Comme je diffuserai toute la journée, par exemple. Ça te dit demain. Voilà. On pourra se faire ça. Quand tu le souhaites. Qu'on soit aussi un dessiné, c'est gagné. Qu'on essaye de se refaire. Peut-être un Tricky Towers, le jeu que je vous ai offert, le Pico Park. Il faudrait qu'on synchronise pour qu'on essaie d'y jouer à 8. Ça serait drôle. Au pire, pour le 1er janvier. Normalement, tout le monde est de congé le 1er janvier. Du moins, je vous le souhaite. Mais n'hésitez pas à proposer des dates, à vous organiser entre vous. Allez, bisous, à demain. Ciao, ciao. Ah là 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 là. Alors, vue de modérateur. Merci pour le raid, bienvenue à toi et ta communauté, enfin re-bienvenue. Attends, j'ai coupé mon enregistrement, ouais. Attends, je passe en modo. Merci les amis qui regardent en vidéo la demande sur YouTube. Bisous.